Depuis l'aube, allons dans ce désert pays. Vers l'horizon lointain, n'apparaît nul château qui pourrait proposer besogne pour nos bras. Là, devrons-nous manger les racines des champs? Là, devrons-nous dormir sous le dais noir des cieux? Depuis l'aube, allons sur les rocs anguleux. Ma fille, épaule-moi, les ans m'ont accablée. Tu dois me soutenir et je dois te guider, car je ne puis marcher lors que tu ne peux voir. Pourquoi suis-je ainsi née, telle emmurée vivante, condamnée pour toujours dans ma chôle invisible, sans jamais s'éclaircir, la nuit toujours m'habite. La nuit profonde, insondable, étouffante, l'épouvantable nuit, l'intolérable nuit, la continuelle nuit, la perpétuelle nuit. Meilleur est le destin du crapaud, de l'orfraie, puisque dans leur malheur, ils possèdent la vue. Ce don miraculeux, ce présent merveilleux, quand sa clémence Dieu fuit aux êtres abjects. L'espace d'un instant, voir, et puis mourir. Seigneur, infligez-moi douleur, tourment, torture, si vous me permettez de voir mon infortune, voir le fer me percer, la verge me frapper, voir le sang de mes plaies s'écouler sur le sol. Pourquoi moi seul, aveugle, au milieu des voyants? Mon âme est ingénue, jamais ne fit le mal. Pourquoi cette injustice et pourquoi ce martyre? Pourquoi dois-je endurer cet infini supplice? Hélas, hélas, ma mère, oh, pourquoi fis-tu naître cet enfant dont les yeux jamais ne s'ouvriront? Mais qui vient par ici? J'entends des cliquetis. Ne rêves-tu pas? Non, je ne vois rien, ma fille. Pourtant, je les entends. Voilà qui se rapproche. Mon Dieu, là-bas au moins, de monstrueuses formes. Des brigands brandissant poignards et cimetières. Ciel, nous serons volés, capturés, égorgés. Qui viennent nous sauver en ces morts de parage? Mais que se passe-t-il? Voilà qu'ils se retournent. Voilà que font sur eux un cavalier fringant. Tous devant lui s'enfuit, terrifié, affolé. Voici le destrier qui s'avance vers nous. Je suis le chevalier venu pour vous servir, Kenneth, le défenseur de la belle Kathleen. C'est Dieu qui vous envoie? Comment vous remercier? Je suis Paige, et voici Holly, ma chère enfant. Ma pauvre fille et moi, nous sommes roturières. De château en château, nous louons nos deux mains pour tisser ou carder, filer ou dessointer. La noblesse de l'âme en vos traits semble inscrite. La gouaille des marauds n'entache vos propos. Mais pourquoi votre fille, à la belle frimousse, ne cesse de fixer un point à l'horizon? La malheureuse enfant de naissance est aveugle. Dès qu'elle eut dit ces mots, des pleurs dégringolèrent sur les joues de Holly sans pouvoir s'arrêter.
le chevalier en lui sans remuer son cœur. Mère, oh, décrivez-moi le noble chevalier. Sa face resplendit comme un soleil radieux. Son regard chaleureux enveloppe et séduit. Sa démarche élégante évoque l'harmonie. Pourrais-je vous toucher, beau chevalier Kenneth ? Mon enfant, touchez-moi, puisque vous ne voyez. Pourtant, ne croyez point ce portrait élogieux. Vous êtes le soleil que je n'ai jamais vu, l'étoile éblouissante éclairant les ténèbres, l'inaccessible port dont je n'osais rêver. Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Ma pauvre mère et moi ne pouvons plus survivre. Je vous en conjure, ô très noble chevalier, trouvez-nous sans tarder un asile accueillant. Kathleen aux blonds cheveux, fille de Macfarlane, voudra bien vous garder à Tantallon Castle. Faites-lui parvenir de la part de Kenneth cet anneau merveilleux au magique pouvoir qui par hasard m'échut par la main d'une fée. Celle qui portera cette bague à son doigt conservera toujours son amant aliéné. Ainsi la jouvencelle, avec sa vieille mère, vers Tantallon Castle se dirige angoissée. Dans son cœur, elle craint de rencontrer Kathleen. Morose, elle médite en suivant son chemin. Oh, comme j'appréhende et comme je redoute de rencontrer demain cette femme inconnue. Sera-t-elle ennemie? Pourrait-ce être une amie? Que ne puis-je moi-même enfiler cet anneau? Rien ne m'empêcherait d'accomplir cette action. Rien qu'un geste, un seul geste, et je serais sauvée. Ce geste suffirait pour que d'un coup je passe du plus noir désespoir au plus grand des bonheurs. Kenneth m'appartiendrait, me serait aliéné, car le magique effet le détournerait d'elle pour l'attirer vers moi sans qu'il ne réagisse. Là, je dois apporter l'amour à ma rivale qui me condamnera d'une rancœur injuste. Je subirai les maux de supplice cruel, car ma faute est d'aimer celui qu'elle chérit. N'est-il mission plus dure et plus injuste épreuve? Thank you.